Le 15 décembre 1991, en plein milieu de la nuit, un coup de feu se fait entendre provenant de l'appartement des jumeaux Henry. Ce n'est pas la première fois que les voisins entendent ça. L'un des jumeaux, Greg, intimide et terrorise souvent son frère, l'obligeant à préparer les repas, lui apporter des bières et nettoyer l'appartement. Et pour renforcer sa dominance encore plus, il tire dans les murs pour lui faire peur davantage. Ce que les voisins ne savent pas encore, c'est que cette fois-ci, un des deux jumeaux a réellement perdu la vie. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Moi c'est Mélie et moi c'est Mélo. Avant de commencer notre histoire d'aujourd'hui, on voulait prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire de cliquer sur le petit bouton ici en bas à droite pour vous abonner car ça nous aide vraiment beaucoup. Merci. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'histoire de Greg et Jeff Henry, une vraie histoire de jumeaux dominants et dominés. Et restez bien jusqu'à la fin car cette histoire a connu plusieurs rebondissements inattendus. On vous en dit pas plus et on y va tout de suite. Les jumeaux Greg et Jeff Henry naissent le 25 janvier 1955 à Dublin, en Géorgie. Les parents ont déjà deux autres garçons et leur père Dick Henry travaille comme gérant dans une entreprise chimique locale et leur mère Sue est femme au foyer. Les parents sont très heureux d'accueillir les deux jumeaux dans leur famille. Sue les habille d'ailleurs souvent pareil et les promène fièrement dans la petite poussette double pour les emmener au parc ou à la messe. Ils sont inséparables, ils jouent ensemble, ils dorment ensemble et développent même leur propre langage. La famille est sur un petit nuage et pendant 4 ans, ils vivent le parfait bonheur. En 1958, Dick se fait diagnostiquer un cancer du cerveau et va malheureusement décéder 1 an plus tard. Sue a seulement 40 ans et elle va se retrouver veuve et va se retrouver surtout toute seule à élever ses 4 garçons. Mais Sue est une battante, elle est très courageuse et elle va se trouver un petit travail de secrétaire pour faire vivre sa petite famille. En grandissant, les jumeaux développent une passion commune pour les appareils électriques. À 7 ans, ils auraient fait le recablage complet de leur chambre afin que tout s'allume et s'éteigne avec un seul interrupteur. Ils disaient vouloir devenir des inventeurs. Sue remarque aussi que Greg assume toujours le rôle de leader dans leur jeu. Il réussit mieux à l'école et il a plus de facilité à se faire des amis, contrairement à son frère, qui lui est plus timide, enfermé sur lui-même et qui reste souvent en retrait. Les années passent et les notes de Jeff à l'école ne s'améliorent pas. Il commence à ressentir un complexe d'infériorité par rapport à Greg, qui lui est bien dans sa peau, confiant, réussit bien et a plus de succès auprès des filles. Jeff se concentre alors sur ses rêves, passant des heures à penser à des machines révolutionnaires pour changer le monde, comme il le voit dans ses bandes dessinées préférées. Il en parle bien sûr à son frère Greg, qui se sert de ça pour le pointer du doigt et rire de lui devant tout le monde. Ça finit d'ailleurs souvent en bataille, et c'est souvent Greg qui a le dessus sur Jeff. Sue explique cela comme leur crise d'adolescence, une petite phase de rébellion. Quand ils graduent du secondaire, Greg et Jeff sont deux grands garçons de 6 pieds 2, blonds et minces. Ils se trouvent un premier appartement ensemble et un premier petit emploi dans un magasin local. Leurs collègues, les employés du magasin, ont de la difficulté à les différencier. Ils ne savent pas qui est qui jusqu'à ce qu'un des deux jumeaux ouvre la bouche. Greg parle évidemment plus fort et intimide Jeff, qui lui est plus silencieux et passif. 2 ans après avoir terminé le secondaire, Greg demande en mariage à sa petite amie Julie. Jeff a vraiment du mal à accepter cette décision. Il supplie son frère de ne pas se marier. Mais Greg n'en fait qu'à sa tête et épouse la jeune femme. Jeff sera quand même son garçon d'honneur ce jour-là. Greg et Julie ont acheté leur première maison, mais comme les jumeaux étaient incapables de se séparer, Jeff est allé habiter avec eux au sous-sol. Ce que Julie a trouvé vraiment très difficile, et c'est ce qui est d'ailleurs ce qui mettra fin à leur mariage 4 ans plus tard, car elle avait épousé qu'un seul homme et était obligée de vivre avec deux.
Nous avons d'ailleurs vécu une situation assez similaire avec Mélo. Quand nous avons acheté notre première maison avec mon compagnon, j'ai demandé à ce que ma sœur vienne habiter avec nous au sous-sol, car elle était seule à ce moment-là. Et c'est ce qui s'est passé. À nos petites routines, nos petites habitudes ont vite repris, et parfois mon compagnon se sentait un peu de trop dans notre relation. Mais j'ai déménagé quelques mois plus tard parce que je me suis fait un nouveau copain et tout est rentré dans l'ordre. Fin de la petite parenthèse, revenons à notre histoire. Jeff est alors très content du départ de Julie et de retrouver sa place auprès de son frère. Ils vont alors trouver un appartement et vont vouloir devenir des rockstars, ou Greg voudra qu'ils deviennent des rockstars. Des amis vont se joindre à eux et ils vont aussi boire beaucoup de bière. Et plus il boit, et plus Greg devient violent et méchant avec Jeff. Les jumeaux sont tellement fiers de leur beuverie qu'ils gardent toutes les bouteilles vides en guise de trophée installées contre un mur. Ils vont aussi commencer à s'acheter des armes à feu qu'ils vont poser fièrement sur le mur du salon. Et c'est là que la dominance de Greg va monter d'un cran, car quand ils vont se disputer, Greg va facilement empoigner un des fusils et se mettre à tirer dans les murs, visant même à côté de Jeff. Jeff sera évidemment de plus en plus stressé et paranoïaque et va même aller vivre chez sa mère quelques fois. Mais ses séjours sont toujours de courte durée, on ne sait pas pourquoi, il veut toujours revenir vers Greg. Sue va alors parler à ses deux fils, elle sait qu'ils boivent beaucoup, ils ont même été tous les deux arrêtés en état d'ébriété. Donc les jumeaux vont écouter leur mère, ils vont écouter ses conseils, ils vont arrêter de boire un certain temps et la situation va s'améliorer. Ils vont tous les deux être engagés dans un magasin de réparation électronique, leur passion, souvenez-vous, et leur patron sera fier d'eux. Ils sont ponctuels, minutieux, et il leur arrive de rester plus tard au magasin afin de réparer les appareils. Mais leur vieille habitude va vite revenir. Greg va recommencer à boire, suivi bien sûr de Jeff, qui deviendra de plus en plus paranoïaque et stressé. À la maison, Jeff est soumis à Greg et doit lui préparer à manger, lui apporter des bières et tout nettoyer. Les jumeaux passent leur soirée et leur fin de semaine à boire en regardant des parties de football et des films. Et c'est ce qu'ils vont faire, hein, le 15 décembre. Greg et Jeff vont se lever vers à peu près midi. Ils vont regarder match après match. Et c'est évidemment Jeff qui va faire à manger pour lui et son frère et amener les bières. Ils vont regarder des films jusque tard dans la soirée et ils vont fermer la télévision vers à peu près 1h du matin. On devine à ce moment-là que les jumeaux sont tous les deux sous et Jeff va se mettre à parler à Greg de sa nouvelle théorie sur une source de courant révolutionnaire. Greg va encore rire de lui et le traiter de gros con et d'imbécile. Mais Jeff va tenir son point, il va tenir tête à Greg cette fois-là. Et c'est à ce moment que Greg serait rentré dans une grande colère, va se mettre à frapper Jeff et à le jeter au sol. Il va ensuite s'enfuir vers sa chambre. À ce moment-là, Jeff est vraiment paniqué. Il est sûr que son frère est retourné à sa chambre prendre son fusil qui se trouve sous son lit. Alors, dans une grande panique, il court vers sa propre chambre pour prendre son shotgun. Il se dirige vers la chambre de Greg et donne un violent coup de fusil dans la porte pour l'ouvrir. Et il trouve son frère Greg sur son lit. Il n'a rien dans les mains. Mais malgré tout, Jeff hurle « Prends ça !» et lui tire en plein cœur. La poitrine de Greg explose et le mur derrière lui est éclaboussé de sang. Jeff entre alors en état de choc, il vient de réaliser ce qu'il vient de faire. Il retourne sur ses pas, tire son shotgun sur son lit et tente de se calmer pendant quelques secondes. Puis il retourne auprès de Greg et met ses mains sur la poitrine de son frère pour empêcher le sang de couler. Il supplie Greg de ne pas mourir, de ne pas le laisser seul. Mais malheureusement, il est trop tard pour Greg et il va mourir dans les bras de son jumeau. Il est alors 2h du matin quand Jeff prend sa voiture et conduit à une station-service tout près de chez lui. Il utilise la cabine téléphonique pour appeler sa mère et va lui dire en pleurant qu'il a tué Greg, qu'il a tué son propre frère. Sue va rester étonnamment calme. Elle va lui dire de rester là où il est et c'est elle qui va appeler la police.
C'est l'officier Mike Hikes qui retrouve Jeff à la station-service, tremblant de froid et de peur. On est au mois de décembre. Ses mains, son t-shirt blanc et son jeans bleu pâle sont couverts de sang. L'officier va retourner sur les lieux avec Jeff et d'autres policiers vont aussi arriver et ils vont inspecter la scène de crime. Et tout concorde avec l'histoire que Jeff leur a racontée. Ils retrouvent Greg sur son lit avec une balle dans la poitrine. Il y a aussi le trou dans la porte, là où Jeff l'a enfoncé avec son fusil. Et ils retrouvent le shotgun dans la chambre voisine. Jeff est amené au poste où il dira avoir agi en légitime défense après que son frère ait fait feu sur lui 4 fois. Cette version sera malheureusement démentie par les enquêteurs qui n'ont trouvé aucune balle dans le fusil de Greg qui est encore sous son lit. Jeff dira aussi qu'il a fait feu accidentellement, qu'il ne savait pas que son fusil était chargé. Pendant 3 ans, Jeff va attendre son procès derrière les barreaux où il va sombrer dans une très grande dépression. Il fera souvent des crises de panique et n'arrivera pas souvent à dormir parce qu'il fait vraiment beaucoup de cauchemars. Quand le procès va commencer, le 17 avril 1995, les avocats de Jeff vont tenter de présenter l'affaire comme un cas du syndrome de la femme battue, une première dans un cas de jumeaux. Oui, c'est un couple de jumeaux et l'un dominait en effet l'autre. Les docteurs qui ont évalué Jeff confirment qu'il manquait beaucoup de confiance en lui et qu'il se sentait inférieur à Greg. Il voyait son jumeau comme étant le plus fort et le plus intelligent, et c'est pourquoi il lui permettait de prendre des décisions à sa place. Le procureur Beau McLean, lui, va refuser de présenter l'affaire comme un syndrome de la femme battue et va dire que Jeff a pris la vie de son jumeau et que prendre la vie de quelqu'un, ben, ça reste un meurtre. Sue va alors venir témoigner et tous les regards vont se tourner vers elle. Est-ce que la maman va prendre la défense de son fils qui a été tué ou de celui qui l'a tué? Eh bien, Sue va prendre la défense de Jeff. Elle va raconter à la cour qu'elle a été témoin à plusieurs reprises de l'intimidation et de la violence de Greg envers Jeff, surtout lorsqu'il était sous. Elle va aussi dire qu'à un moment, Greg a été violent envers elle et qu'elle croyait qu'un jour, ce serait Greg qui tuerait Jeff et non l'inverse. Le procès prend fin le 2 mai 1995 et le jury va délibérer pendant plusieurs jours. 3 semaines plus tard, ils vont donner enfin leur réponse. Ils ne sont pas parvenus à s'entendre sur une décision. Une femme du jury aurait été une femme battue par le passé et ne voulait absolument pas condamner Jeff. Comme le jury n'est pas parvenu à l'unanimité à prendre une décision, le procès sera annulé. On vous avait bien dit au début qu'il y aurait plusieurs rebondissements dans cette affaire et ce n'est même pas encore fini. Le 14 juin 1995, Sue va organiser un grand rassemblement devant la cour. C'est une genre de manifestation qui va tourner en fête. Il y a des rubans jaunes accrochés aux arbres et beaucoup de choses à manger. Bref, on fête. Tout ça, c'est dans le but de libérer Jeff, qu'il soit libre jusqu'à son second procès. Plusieurs personnes de la communauté y participent et prennent même le parti de Jeff, mais d'autres sont complètement en désaccord avec cette célébration, dont entre autres le procureur Beau McLean, qui lui affirme que quelqu'un est décédé et que ce n'est pas le temps de faire une fête. Alors que la manifestation célébration est encore en cours à l'extérieur, les deux parties vont se rencontrer en secret pour trouver une entente pour ne pas qu'il y ait de deuxième procès. Jeff et sa mère seront alors convoqués pour être mis face à cet accord. Si Jeff plaide coupable d'homicide volontaire, il peut être libéré pour son temps de prison déjà effectué, soit 3 ans et demi. Jeff va évidemment accepter et sera libéré quelques heures plus tard. Il sort du tribunal tout timide, avec son sac d'effets personnels dans une main et l'autre accroché au bras de sa mère. Et la foule les acclame, tout le monde est heureux. Et une femme, Dorothy Smith, qui faisait partie du jury, va même accourir vers lui pour lui dire que c'est grâce à elle que le procès a été annulé. Mais même si ça peut sembler une fin heureuse pour Jeff, ce ne l'est pas vraiment. Jeff va retourner vivre avec sa mère, qui va le traiter un peu comme un enfant jusqu'à ce qu'elle meure en 2005.
Jeff se sentira toujours coupable de ce qu'il a fait, ne sortira pas souvent de la maison, souffrant d'agoraphobie. Il mangera aussi très peu et perdra beaucoup de poids. Son frère Greg lui manque vraiment beaucoup. Et ce qui est vraiment difficile dans son cas, c'est que lorsqu'il se doit se regarder dans un miroir, il doit y voir Greg. Perdre un jumeau est extrêmement difficile et ça doit l'être vraiment encore plus quand tu es responsable de sa mort. C'est ainsi que se termine l'histoire de Greg et Jeff Henry. Et cette histoire nous rappelle aussi celle des jumeaux Circa, qui eux aussi devenaient violents lorsqu'ils buvaient trop, et qui s'est aussi terminée en tragédie. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, on vous la met soit ici ou soit dans la barre de description. On pourrait aussi donner une morale à ces deux vidéos, qui est si boire vous rend violent, ne buvez tout simplement pas. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette tragique histoire dans les commentaires. Dites-nous si vous auriez libéré Jeff ou au contraire, vous l'auriez condamné. Nous sommes vraiment impatientes de savoir ce que vous en pensez. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!